La photo du grand-père et son ami d'enfance suscite des interrogations sur la toile grand-père. L'artiste bien connu du grand public et bien connu dans le monde entier, a-t-il la foudre des internautes à nouveau? Grand-père, le mari de la bimbo ivoirienne Edor Ciao, ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux depuis un bout de temps. Voici les raisons. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Une photo publiée en ce jour sur les réseaux sociaux suscite de nombreuses interrogations de la part des internautes envers l'artiste guinéen Grand-père. Et pour cause, l'image présente l'artiste en compagnie d'un homme présenté par la légende comme son ami d'enfance, Grand-père, a-t-il la chronique vers lui et la foudre des internautes? Mais où les internautes s'interrogent énormément, c'est visiblement la différence d'âge entre les deux hommes sur cette photo. L'ami de Grand-père semble être beaucoup plus âgé que Grand-père. Or, l'amitié d'enfance s'établit dans une tranche de la même génération d'âge. Comment ce monsieur, qui apparemment frôle la soixantaine, peut-il avoir passé l'enfance avec le chanteur guinéen Grand-père? En effet, en septembre 2020, sur le plateau de People Emmy, le manager de Grand-père déclarait que son artiste avait 30 ans. Curieusement, l'amitié d'enfance avec une telle dénivellation d'âge, à moins qu'on ne nous dise pas tout, sur Moussa Sanjana Kaba, alias Grand-père. Le président Laurent Gbagbo, président du PPRC, pose un nouveau ultimatum au président Alassane Ouattara et remporte une très grande victoire. Laurent Gbagbo reçoit un très grand soutien. Les habitants du village de Capo-Grobré reprochent-ils vraiment au président Laurent Gbagbo d'être à la base du maintien, faute de passeport de leur fils Charles Bilégoudi à la haie, comme tente de faire croire depuis un moment les adversaires politiques et autres ennemis de l'ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire? Sur les réseaux sociaux, les parents biologiques du ministre Charles Bilégoudi tiennent-ils effectivement le président Laurent Gbagbo pour responsable de la situation difficile que vit actuellement Charles Bilégoudi depuis son acquittement définitif le 31 mars dernier par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale? À toutes ces questions, le président Laurent Gbagbo a apporté des réponses directes. En ce jour, il a fait une deuxième rencontre avec la famille de Charles Bilégoudi, en tout cas pour qui a été témoin de l'accueil délirant réservé au président Laurent Gbagbo à son arrivée au domicile des parents de Charles Bilégoudi. Après le passage du président du PPRC à Capo-Grobré, il est clair que ses adversaires politiques et autres ennemis vont désormais changer de lunettes pour mieux voir l'ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire à Abidjan, qui semble être la seule cible à abattre dans le paysage politique en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo opte d'un grand soutien contre le président Alassane Ouattara et de la famille de Charles Bilégoudi.